Et on est de retour, reprise du cycle. Non, on est au début du cycle de toute façon. Ça continue de changer. Je suis toujours piégé. Chaque issue est un nouveau cycle. Oui, ça s'appelle un roguelike. Genre ta vie c'est un roguelike, c'est con. Hein. Alors. Genre vous imaginez vivre dans un roguelike? C'est pas le fun. Hein. La dernière fois, on avait fait la tour. La tour nous avait pris une bonne heure. La tour nous avait pris une bonne heure. C'était fun. On a découvert pas mal de nouvelles choses. Ah, il y a un truc en bas. Ouais. Wow, ok. Non, c'est un boss. Oh mon dieu. On a une arme de merde en plus. Oh bon bah le cycle il était court hein. Non. J'ai vu les boules venir. Bon bah le cycle était court celui-là. Ben putain. En plus, on allait l'avoir, on allait... Ouais, c'est pas très dur. Quelle merde. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc dans l'eau? Ça fait chier. Tiens, le début est différent. Ah, la vache. Ouais, on n'a pas de... Pas des terres. Le monde se réorganise. Oh la vache. Oh merde. Va te faire. Pour les réacteurs. J'arrive pas. C'est quoi ça? Ah merde. On verra le corps après. Oh, ça va vite. Ça. Ouais, non, là on a un problème avec l'arme. On a vraiment le pistolet de base. Faut que j'arrête de taper en fait, de clic-clic. Il faut que je reste appuyé. Honnêtement, ça me rendra la vie plus simple. Et je pourrai un peu mieux me concentrer sur les esquives et tout ça. Ah merde. Oh mon dieu, tu vas me dire que tu m'as défoncé la vie déjà? Oh mon dieu. Non, c'est bon. Hmm.
faire. Ah! Ah ben putain. What? J'ai fait le dash! J'ai pas fait le dash assez vite, je crois. J'ai pas fait le... Ouais, non, le dash, j'ai pas... Je l'ai pas... Je pensais qu'à la limite, c'est la perspective, j'aurais dû... J'aurais dû regarder un peu mieux... La distance des lasers qui était en verticale. Une invitation. Une promesse. Je dois y aller. Non, non. Tour de suivi et mode coop. Oui, non, mais la tour, on l'a déjà faite. On a déjà fait une partie. On était à la limite pas censé la faire, j'imagine. Alors, c'est quoi ça? La ruée provoque une décharge d'énergie, son point d'arrivée. Ouh! Oh! Ça, c'est cool ça. Non, ça, on est d'accord que c'est une relique. Hein. Oui, c'est pas permanent. Donc, en fait, les reliques qu'on prend au début, à la limite, on pourrait les garder. Putain, la putain de toi, quoi. Sérieux. Ça me rend fou, ce jeu. Ça va me rendre fou. Il y a un truc en bas. Non. Non. C'est pas en bas. C'est là. Je vais tomber encore. Bon, si on se concentrait. Donne-moi une bonne arme. Le disperseur. Vacillement critique. Oh, pas le fusil à pompe. Tain, tout dépend de l'arme, honnêtement. Hein. Comme d'habitude. Les projectiles ont une chance d'infliger des dégâts supplémentaires aux cibles vacillantes. Oh mon dieu, c'est pas ça que je veux faire. Très bien, super, bien joué. Vraiment bien. Au moins, grande intégrité max, les ennemis laissent des flaques d'acide derrière eux quand ils meurent. Tu vois un peu? C'est un peu le run poubelle, hein, je veux pas dire, mais... Avec ce type de... Avec ce type d'armes et tout ça, ça c'est run poubelle. Là on y va à fond, on s'en fout un peu, et si ça passe et qu'on arrive à se remettre, ça va, c'est cool.
faire. Alors... Ah putain. Mais elle est bien cette tombe pour faire le ménage comme ça. Il faudrait 300, c'est ça? 10% de chance de réparer l'intégrité. Ouais, ça c'est vachement bien. Alors, on va faire le signal. Histoire de se faire tuer. Comme ça, on passe à autre chose. Voilà. Machin. Alors là on a attiédissement. Dégâts supplémentaires avec... Ah le, l'obus ça m'intéresse un peu mieux déjà. C'est quoi ça? Confère une forte chance de récupérer des projectiles si tous les projectiles touchent la cible. Récupérer des projectiles. Genre tu peux continuer à tirer, c'est ça? Du coup, on n'a pas le tir semi-auto là? Non. On n'en a pas avec, avec ça. Alors. Ah, la ruée désactivée, c'est bien ça. Oui, non, mais non, je peux pas. Une clé. Ça, c'est bien ça. Faire gaffe à l'acide. Ça, la cible. D'accord, très bien. Ouais, c'est ça le... Ouais, c'est une petite... Ça va, c'est une petite flaque. C'est pas... c'est pas extrême. Ça va, c'est bien. Et merde. Ok. Ah. Bon, attends. Ah, les clés, j'en ai. Qu'est-ce que je viens de faire? En fait non, c'était pas... c'était piégé. Récupère des relais. Augmente la puissance du vacillement de 20% pour chaque parasite. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça. C'est pas mal. Bah du coup on a récupéré une relique. On a pu enlever notre... Non.
Mais en fait, ça vaut le coup de tout détruire maintenant que je vois. Ah oui, non, mais ça vaut complètement le coup de tout détruire. Quel est le délai de récupération du tir de seconde de 2 secondes le délai de récupération du tir de secondaire de 2 secondes. C'était quoi l'autre qu'on avait? C'était par rapport à la vie, je crois. Je me rappelle plus. Oui, non, ça c'est mieux. Voilà, membre fantôme. Attends, il y avait de la vie. Pas une vie pourrie, oui. Ça reste pas longtemps. Alors, électrobaliseur. Ah oui, c'est électrobaliseur, j'aime bien. Chambre agrandie, on l'a jamais... Pardon, on l'a jamais fini. Attention à l'acide. Je voudrais bien pouvoir récupérer les objets de plus loin. Réduit des récupérations, réduit les dégâts de mêlée de 50%. Oui, ça me va. Consomme avançant son champ d'être conservé après utilisation. Les abolites lâchés disparaissent une seconde plus tôt. Non, ça va. Suffit juste d'être un peu plus mêlé, quoi. Ah, pistolet. Non. Par contre, ça, les ennemis ont une chance de lâcher de la résine quand ils meurent pendant 30 secondes, ça marche. Qui nous manque encore, hein, des habilités, je pense. Non, ah, le téléporteur, il mène sûrement en haut. Je dirais. Alors, 5 d'éther. Vas-y. Mmh.
Je sais que c'est le fusil à pompe, mais bon, là, il a énormément de dégâts. Combien de fonctions de récupérer projectiles, la crache avec gueule étroite. Ouais, on va prendre ça. Parce qu'il a beaucoup de dégâts en fait. Ah, il est là. Nickel. Ok, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le téléporteur. C'est le téléporteur lent. J'aime pas ça. Enfin, non, pas le téléporteur, le laser, pardon. Non, ça m'a fait peur, j'ai cru que c'était une boule. À chaque fois, j'y arrive. Oh là là. Ça me fait sursauter à chaque fois. 75. Allez, vas-y. C'est inconsommable. Récupérer une relique. Gain de maîtrise désactivé. Ouf. Ah ouais, quand même. Ouais, la difficulté c'est les sauts vu qu'elles sautent loin. Non mais attendez, il y a une porte là-bas, fais chier. Faudrait que je le fasse à l'envers en fait. Ça irait mieux, peut-être. L'exéno-archive. Même des années plus tard, j'en rêvais encore. Un arbre couvert d'yeux. Alors... Ouais, non, on va garder celui-là qu'on a. Celui qu'on a. Massacre de vertébrés bipèdes. Un lit avalé par des tentacules. C'est le fun, hein, cet endroit. Oh. Ah. Efficacité de réparation contre le délai de récupération du tir secondaire. Ouais, mais si on peut mieux se soigner, honnêtement, ça vaut peut-être le coup. Huh?
Oh putain. Non. Ok. Non, faut se retaper ça, quoi. Que si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a le soin, 10% de soin qu'on tue. Attendez, on va juste vérifier. Grandement l'intégrité. Délai de récupération 3 secondes, du coup ça va, ça contre. On a que 2 secondes en plus. Ouais, 2 secondes en plus. 20% de réparation, concentration 20 chances. Non, on n'a pas le... qu'on tue. Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Cargaison. Est-ce qu'on doit aller dans la maison ou pas? On peut y aller? Non, on peut y aller. Je vais voir. On va voir si ça sert vraiment à quelque chose. D'y retourner. Genre, on a sûrement plus de l'or. J'ai envie de jouer, moi. Le brouillard qui s'infiltre. D'autres que moi peuvent-ils entrer ici? Cette mélodie, je m'en souviens. Il y avait écrit quoi? C'est quoi le nom? Théma? Théra? Théa? C'est quoi ça? Ah, tu vas regarder la télé. C'est pas bien. Oh, il y a l'astronaute à droite. Pensant au succès monumental du premier et du vulgaire tragique accident de voiture dans la forêt Okanagan-Wenatchee. Atterrissage lunaire. Il est impossible de dissocier. Ouais. Les autorités n'ont pas encore déterminé l'importance de la mission en elle-même des effets. La cause, car les conditions de la route étaient optimales. La voiture a traversé la glissière et a plongé le monde entier dans le lac. La conductrice Théa, la compréhension collective et consciente, souffre de lésions rachidiennes majeures. Sa fille a miraculeusement occupé la place de l'humanité sur Terre. Et donc l'univers... Su de l'instant où nous avons posé le pied sur un autre corps céleste, a survécu sans blessure. C'est pas mal ça, le... Oh. D'avoir deux émissions comme ça, qui switch, ça c'est pas mal ça. Et que ça fait une phrase bizarre. Alors, il est là. Bonjour, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Ah, on pouvait pas aller là. C'est toi, mère, n'est-ce pas? Oh, je t'ai dit de... Ah, la vache. Ah, mes yeux. Ah. On est à côté de la maison ou pas? Ouais. Ouh, ok. C'est quoi mon tir secondaire? Fais attention, le rayon. Okay.
mode boss. Peut-être. Ah non, 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 c'est la zone. Okay. Porte. Ça, on l'avait déjà vu. Mille 300 sur 10 000. Intégrité à 25. Non d'accord. Parti. Damage plus puissante, briser barrière jaune. Surcharge réussie augmente vraiment la vitesse de protection de cœur. La vitesse et la protection de cœur. La surcharge. Mal ça. Déclencher ou réparer du dysfonctionnement répare l'intégrité. Ouh, ça, ça m'intéresse. Ça. Alors, ça, c'est bien vitesse et protection, mais ça, ça permet de se soigner en fait. Ah, mais en plus, on a récupéré une relique, donc on a réparé. Donc, du coup, ça nous a soigné. Ça tue, ça tue, ça tue. C'est pas fini. Eh ben. Il est encore vrai que ça faisait mal ça. Le rayon par contre je l'aime pas trop. Alors, électrobaliseur avec du flux électrique. Harmoniseur de lame. Par contre, il n'y a pas de dégâts. Harmoniseur de. Augmente les dégâts de mêlée tant que cette arme est équipée. Tu vois un peu le laser. Ok, il a une méga portée par contre. Faut que j'utilise ça. Attends, je peux me soigner moi. Attends, faut penser en fait à tous nos trucs parce que j'y pense, je vais pas y penser moi. Non, c'est ça. Déclenche ou répare. Déclencher ou réparer un dysfonctionnement, répare l'intégrité. Donc du coup, genre ça en fait, ça peut être vachement intéressant, on est d'accord. On est d'accord que récupérer ça, parce qu'on a une grande chance de faire du dysfonctionnement, du coup on pourrait limite se soigner avec ça quoi. Après, faut pas abuser, mais. Mais voilà quoi. Nickel. On va prendre la porte à gauche. C'est celui-là qui fait les dégâts. Ouais. J'aime bien aussi le fait que les parasites, là, ils ont un corps et tout ça. Et quand on joue, genre, ils ont des tentacules et tout, mais après, en cinématique, ça disparaît. Comme ça, ça fout pas le bordel. C'est bien.
Après, c'est genre ça passe pas à travers les choses. Vous voyez, c'est pas mal. Alors, on a eu ça. Augmente les dégâts des armes 10% tant que vous avez une dysfonctionnement. Ça marche. On a perdu un peu de vie par contre. Ça, c'est chiant. Ça. Alors. Du coup, on pourra en profiter, mais il n'y a plus d'objets. Il nous faut un dysfonctionnement. Ah bah, détache tous les parasites, ça peut être intéressant. Je me demande si détacher veut dire les tuer aussi. Alors, répare les dégâts, utilité de moyen. Ouais, mais on n'a pas vraiment besoin de vie pour le moment. Enfin, moyen, non. Hop. Rayon du néant, monté en régime 2. Non, ça m'intéresse pas. Ah! Ah, l'obus est pas mal. Hein. Puis en plus, on a le portail qui est presque prêt. Il y a, là, il y a une onde. Onde, c'est vachement bien. J'ai pas onde. Donc, on a un projet qui peut transpercer les surfaces. Ça peut être intéressant. Un projet qui fait des dégâts supplémentaires à durée. Créer un portail qui tient un rayon. Je veux bien voir ce que ça fait. Ça. Il n'y a pas d'autres trucs secrets. On va perdre un peu en dégâts, mais niveau mobilité et tout ça, on devrait être pas mal. Intégrité max. Ramasser de la résine. D'accord, en plus ça marche. Genre si c'est récupéré de la résine par exemple, le dysfonctionnement, il va s'auto-réparer directement. Intéressant, ça je savais pas. Je pensais que ça allait fonctionner contre la prochaine résine en fait. Donc là on a... Les lasers. Merde, je suis bloqué. Oh la vache. Très bien. Je vais aller prendre les... mes récompenses, bordel. Pas détruit. Oh merde. Il
Ça a l'air de faire méga mal les lasers là. Va te faire mettre. Déteste cet endroit. Je me suis bloqué. Ouais, mais c'est un pistolet. Ouais, par contre, j'ai utilisé un truc et j'aurais dû l'utiliser en avance en fait. Genre, les ennemis ont une chance de lâcher de la résine quand ils meurent. Alors, automatique. C'est quoi automatique? Tire en mode automatique. Non. Pour l'instant, on va garder ça parce que honnêtement, les gros lasers font extrêmement mal apparemment. Je sais que le pistolet là il a 19, mais. Ah, c'est super. Attachez ou détachez par il se répare l'intégrité. Ah tiens, ça voudrait dire que si jamais on est vraiment dans la merde, on peut détacher tous les parasites. Et ça va me soigner. Intéressant. Ça nous fait un soin d'urgence en fait. Ça peut être pas mal. L'intégrité. Je sais pas si ça va m'augmenter l'intégrité maximum. Il va faire ça. C'est le sarcophage des Goa'uld. Ouais. Ça marche. J'ai une chance de pas utiliser les objets, c'est pour ça que j'aurais dû activer le la chance de trouver de la résine en plus. J'aurais dû l'activer dès le début du combat quand il y avait plein d'ennemis en fait. Donc j'y pense à ça. Okay. Ah! Mal.
peu le bordel l'endroit. Ouh la vache. Je vais être honnête, il faudrait que... Genre le rechargement soit plus clair, pas de la même couleur. Parce que honnêtement, quand c'est le bordel, je vois rien. Le saut... Ouais, le saut, non, ça m'intéresse pas. Très élevé, 5 éthers, oh la vache. Éther, c'est un peu chaud. Oh, c'est quoi un cube? Un cube, un cube. Nickel. Je me demande si on perd le cube. Quand on meurt. Ouais, j'ai pas envie de le découvrir. Mais... De voir, parce que là, c'est un putain de labyrinthe. Ouais, c'est par là. Voilà, une porte, et là il y a... On va aller là d'abord. Répare l'intégrité de 2% en dégâts infligés par niveau d'adrénaline. Ouh. C'est pas mal. En plus, 2%. Si je dis pas de conneries, nous on. Et en élimination, 10% de chance de réparer. Rue provoque une décharge. Oh, on a beaucoup de vacillements aussi, parce qu'on a beaucoup de. L'efficacité de réparation. Ouais, on a 20% de réparation en plus. En plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Okay, là, on a du son. Je sens que je vais tomber. Oh la vache. Non, mais bon. Je crois qu'il y a un truc en bas, en dessous. Oh, ça c'est bien ça. Faut que j'y pense à, les, à l'utiliser quand. Quand on combat plein de monstres. Pardon. Quand on a une bonne zone bien remplie et tout ça avec. Genre un peu proche. Il y a un passage là. Non mais c'est le sarcophage. Nickel. Ça va là, ça se passe bien ce cycle là. C'était pas le cycle poubelle à l'origine. Va te faire mettre.
résistance que t'as. Merde, l'acide. Ah, l'acide au sol, bordel. Mortel. Non. Ouvrir un container. Le prochain dysfonctionnement sera critique. On est à peine à 150, c'est long pour trouver les ressources. Ça, on va pas prendre. Oh mon Dieu! Quel abruti! Ah mais j'ai que deux éthers. Ah c'est chiant. Il y a un truc de vie là-bas, je le vois sur le radar, mais bon. Ah. Attends, je peux pas aller, c'est de l'eau. Ouais non, je peux pas aller dans l'eau. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Dégâts internes, pourquoi? Et de leur esprit brisé, ils ont vécu l'ascension. Les sectionnés parviennent à la clarté dans la folie en grimpant sur le trône de l'exaltation. Mon père s'y est assis, et tous les tuyaux d'orgue chantaient comme je ne le pourrais jamais. Hein? Ce serait bien avec tout ça qu'on ait... Sécurité max. Si on arrive aux 300 là, ça serait bien. Non. Quelle porte? Là-bas. Ouais. Ah, je passe un... Quand c'est... Non, il y a plein de trucs, en fait, différents et tout. Après, les roguelikes, de toute façon, ils deviennent un peu moins intéressants quand on commence à tout connaître. À moins que ceux qui aiment bien, genre, faire... comment dire? Genre, des expériences, en fait, de différents builds et tout. C'est ça qui est fun. Mais c'est vrai que quand on découvre... Honnêtement, c'est vraiment le côté cool des roguelikes dans un sens. S'il y a tellement de power-up et tout ça, enfin, roguelike c'est synonyme de méga, de plein de power-up, d'armes, de différents. Même les armes elles sont différentes et tout, même si c'est la même catégorie. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc ça c'est fun.
Ça, c'est vraiment le côté fun. Clé résonante, l'une des deux clés qui ensemble des héros de caveau résonant. Ça marche. Deux clés. Donc où est l'autre? Il est où le... Genre non, il n'y a pas de... Deux points qui vous montrent où est la deuxième clé. Je sais qu'il y a ça qu'on n'a pas, mais je pense pas que je puisse le... y aller. Pas que je puisse y aller ici. Il faut une clé. Non. Ah non, j'y suis pas allé. Ah ben non, mais c'est le... Non, j'y suis pas allé. Mais c'est l'eau, je peux pas y aller dans l'eau. C'est un cube. Ouais, c'est un cube. C'est pas ça. À Amy, ce que j'aurais à reprocher, c'est que des fois, on sait pas quoi faire. Enfin, parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas et qu'on, parce qu'on a, pas, on a sûrement pas les pouvoirs. Genre comme, comme l'eau, par exemple. Hein. Mais après, là, oui, enfin, l'autre clé, elle est où, quoi? Bon, y a des œufs à casser, à la limite, c'est bien. Moment, je vais y arriver à les trouver. Ah, utiliser des clés vous inflige des dégâts. Oui, c'est bon. Ah, ça, je crois. Je l'ai pas utilisé. Non, si. Si, je l'ai utilisé. Je peux pas y aller. Le problème, c'est d'être bloqué là comme maintenant.
je vais commencer en fait à tester des trucs, genre tout et n'importe quoi. Genre par exemple, je sais que l'homme fait des dégâts, on l'a vu déjà. Mais je risque d'y retourner pour voir si il y a pas un truc que j'ai loupé et on va se prendre des dégâts. Petit à petit, on va bouffer toute notre vie à tester des choses comme ça. Là, c'est un peu le problème. Là, je vois pas ce que j'ai loupé. En fait. On retourne dans la maison. Non, la maison, elle est éteinte. Faut que j'insère une des deux clés, peut-être. Peut-être que ça va déclencher quelque chose. Attends, avec 250, on peut prendre un truc sympa ou pas? Vague mêlée plus puissante. Ah oui, la surcharge augmente la vitesse et la protection. Ouais, c'est pas mal. Ça m'emmerde. Putain, je dois être tout court. Parce que là, il y a une porte avec une étoile, c'est où on a trouvé la clé, hein. Je crois. Va me gaver. Qu'est-ce qu'on a loupé ici? Ça me saoule. Container ouvert. Ouais, parce que là on est tombé, c'est de l'eau. Là, là je suis mort. Donc c'est, on peut clairement pas aller dans l'eau. Là, ça m'a enlevé de la vie. Quoi. S'il y a de l'eau. Et ça, c'est le truc aléatoire. Aïe, aïe, aïe. Oh, on peut chier.
peut pas être dans un coffre comme ça parce que c'est un objet genre de quête quoi. Oh la vache. Ouais, non, là ça me gave. Là. Ça. Peut-être. Une porte bleue là, que j'ai pas vu apparemment. Possible, hein. Ah non, c'est pas ça. Mais comment tu veux que je passe? Non, en plus il y a une barrière jaune, je peux pas y passer. Ça. Bon, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause où je tourne en rond de mon côté et on reprend quand on trouvera quelque chose. Là ça me gave, là ça me tue mon run là, en fait. Ça doit être un truc tout con. Bon bref, je reviens. Je crois que j'ai trouvé une porte que j'avais pas prise, qui était juste à côté. Ouais, c'est ça. Ça a pris 2 minutes. Ah, peut-être que j'aurais pas coupé. Je sais pas. Faut que je prenne le temps de regarder, de bien regarder la carte en fait. Parce que je me suis un peu frustré et j'ai pas. Du coup, j'ai pas fait attention. Un machin et on n'a plus la le dysfonctionnement. Là, c'est quoi? Il y a une porte là. On va d'abord aller à la porte bleue. Ah. Alors, augmente le taux de maîtrise de 15%. Pas mal. Tada! Et en plus, ça me soigne. Magnifique. Magnifique, ça nous soigne. Il faut que je me rappelle un peu de ce qu'on a, parce que j'ai un peu de tendance à oublier. Je vais rattacher aux déchets parasites, répare, intégrité, niveau d'adrénaline. Les dégâts des armes, tant que vous avez un dysfonctionnement. Alors toi, t'es quoi?
Confère 50% de chance de trouver de meilleurs matériaux sur les ennemis, réduit la protection de 10%. Ah. Confère 50% de chance de trouver de meilleurs matériaux. Je dirais que ça vaut le coup. Protection, on est à 0%, donc on prendrait plus de dégâts. De meilleurs matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire, de meilleurs matériaux? On a combien de parasites? On peut encore en mettre un. Contamination irréversible, c'est mon... un succès que j'ai eu. Là, j'avoue que on est full parasite, quoi. Après, on peut les enlever, hein. On peut tous les enlever. J'aime bien parce qu'on était biplane, du coup on a récupéré Vimax en prenant le parasite. Alors, on peut voir un peu. Ah oui, il a infecté celui-là. On verra. Du coup, j'ai pas de points. Ah. Je me demande si les portails de laser là, ils tirent encore sur les sentinelles. Intégrité ou inflige des dégâts, on va le prendre. Yes. Ouais, pas eu de chance. Très bien. Pas mal. Rien d'autre. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh la vache. J'ai même pas pris le truc. Ah, au final, ça m'a pas servi à grand chose. On a pris cher.
pris cher, mais on a fait très mal. Ah, attendez, je me rappelle que c'est ça. Convertir les abolitranas. On a notre clé. Prend quand même très cher, hein, par contre. Hein. C'est un peu le problème. C'est lequel, celui qui est devant la porte, c'est celui-là. Ça fait, ouais, ça fait un peu peur, ça, de prendre aussi cher. Et j'ai qu'à ne pas me faire toucher, lol, hein. Oh putain, je vais me prendre des dégâts. Non. Ah non, non. Bah, utiliser une clé, bah oui. Enfin, ça doit être spécial, ça. Ah, super. Ah, les dégâts de confusion, là, qu'on fait. Il veut pas venir ici, le machin. N'est pas mal. Par contre, là, il y a un point d'interrogation. Ah. Ah, mais super. Je dis pas que c'est un truc à combattre, hein. On peut le venger. Oh merde. Très bien que tu meurs, genre maintenant. Une tour. Elle m'attire, comme l'avait fait la tour de l'ombre blanche, il y a si longtemps. Pourquoi ma mutation a-t-elle été retardée? J'ai des méthodes pour régler ça. Les délires? Non, ils sont là pour m'aider à garder mon équilibre. J'ai fait d'énormes progrès. Qu'est-ce qu'ils espèrent trouver, tous? S'ils tentent de m'éclairer, ils verront à chaque fois les ténèbres auxquelles ils s'attendent. Je me souviens de ce jour. J'aimerais être restée. La musique me tire vers le haut. Parents, je suis en train cette mélodie. Toujours cette mélodie. Ah, on va prendre ça. Ça, on se répare. C'est très bien. Ah, le cube.
Ça, c'est un bon run, ça. Fait le déclencher ou de réparer des sanctions confère une compétence de combat aléatoire. Et ça, ça reste ? Je suis débile. Là, ah, c'est un truc de cube, quoi. Mais il n'y a pas écrit... Détache par résultat aléatoire produit des obolites en échange. Ça, ça serait intéressant, mais j'aime bien mes... Alors, je vais à travers un rétroviseur. Je vois à travers un rétroviseur d'ombre en tombant dans un lac de folie qui a laissé une cicatrice. Il aurait mieux valu que certains monstres. Mère a menti à propos, seulement la douleur. Ah mais c'est vachement grand. Bah oui, ça c'est une tour quoi. D'accord. Niveau 21. Là par contre on n'a pas le tir ah, on a monté en régime 2 en fait. Millage des bombes miniatures, projection du champ d'infini des dégâts supplémentaires, la brise bouclier. Ouais, brise bouclier, oui, non, ça à la limite c'est utile, c'est comme un peu le lance-grenade, c'est utile. Ouais, on va la prendre. Par contre, j'ai une question, c'est combien de pièces ça me donne si j'enlève un parasite ? Réduit le coût de fabrication de 15%. C'est quoi ce parasite? Je l'ai pas eu. Mais il a changé ce parasite, non? Parce que j'avais pas ça. Réduit le délai de récupération du tir. Conserve 20% d'être conservé à la réalisation. Ça, c'est vachement bien. Confère 50% de chance de trouver de meilleurs matériaux. C'est bien aussi. Ben, mes parasites, ils sont bien. J'ai pas vraiment envie de m'amuser avec. On a à droite et à gauche, par contre. On va aller voir ce que c'est. Chance enfin saigne dans l'espace, l'ascension inéluctable. Hyperion qui attendait au sommet de la flèche attachée à un orgue. Extraordinaire et sans précédent étendu sa vie. Ouais, ça doit être une nouvelle habilité. Par contre, j'aime pas, parce que si jamais on doit combattre dans l'eau, oh là là. Moi, avec ma phobie de merde. Y'a pas un remède pour enlever les phobies? Les phobies, c'est tellement... Ça a tellement aucun sens. Genre, c'est le cerveau qui bloque, quoi. Exactement rien faire, c'est une catastrophe. La clé fracturée. Ok, grande échelle, destination. Par contre, il y a des longs couloirs, c'est bien qu'ils aient mis ça, là. Vraiment cool. Vraiment sympa d'avoir pensé à ça. Allez, on monte. Ça.
clé, j'ai pas de clé. C'est une clé ça? Non. Yeah, ce n'est pas de clé. Ce n'est pas une clé. Si jamais on est vraiment dans la merde niveau vie, il faudrait que je pense à utiliser le consommable qui enlève tous les parasites d'un coup, comme ça on se soigne. J'imagine que tout le temps on va avoir un boss, ça va être comme le premier long cycle qu'on avait fait. C'est juste un pistolet, brise bouclier, tir chargé. Non, ça ira. Ouais, ça va être un boss, ça. Il y a un truc au-dessus, on voit sur la carte. Alors, mes consommables. Donc ça, ça va me servir à rien, sauf s'il y a des ennemis. Enfin, plein d'ennemis. Ça, convertir les obélites ramassées en intégrité. Ouais, mais ça aussi non plus, ça va pas me servir. À moins que la bestiole lâche des pièces. Et ça, détache tous les parasites, c'est mon seul soin en fait que j'ai. Mais bon, on va perdre beaucoup de pouvoir. Oh, c'est quoi ce machin? Oh là là. La chanson. Pourquoi la joues-tu? Ouais, tu joues mal en plus. Oh la vache. Ok. Pas assez de dégâts. C'est con que j'ai pas la vitesse là, de tir. Oh merde, les trucs en haut. Pourquoi je me révèle? Non mais on fait que dalle en dégâts, c'est ouf. Waouh, d'accord, super, c'est très, très cool ce que je viens de faire. Je sens qu'on va devoir... Ouais. Non, j'ai tout merdé. Alors, il y a un truc tout con qui m'a tué, en fait. Quand on utilise des objets, ils changent de raccourci. Je crois bien. Ah là là, quelle merde. On y était en plus. Continuer. Ah non, ça me fait chier, ça. Exact. Le choix et les conséquences pourraient s'être inversées. Le cycle a été allongé, mais il reste éternel. Tourment sans fin. La planète cache des secrets, tout comme l'astronaute. Ma maison, moi-même, sans compter.
remonter le temps, je les arracherai tous, gémissant d'une obscure blessure. Quelle merde! C'était nul. Donc ouais, je crois bien que quand par exemple on a un consommable au 1, un consommable au 2, etc. Si vous avez utilisé le 1, le 2 il passe au 1 en fait. Et je... J'ai pas pu enlever mes parasites en fait pour me remettre de la vie. Et je sais pas pourquoi. Ou alors peut-être que... Ça demande genre d'être genre posé, genre ne pas bouger pour retirer les parasites. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas pu me soigner. Pendant demain, en cas d'intégrité basse. Ça, c'est bien ça. Ah, je suis déçu là. Par contre, on lui faisait vraiment pas de dégâts, hein. C'est pourri. Hein. On lui faisait rien du tout en dégâts, c'était ultra lent, ça servait à rien. Je suis très déçu. Oh là là, le truc qui tire direct, c'est ouf. Décédé. Décès. Danger environnemental fatal. C'est pas mal ça. Putain, on est même... Ça me rend fou parce qu'on n'est même pas arrivé à faire la phase 1 quoi. Incroyable, maintenant que j'y pense. Incroyable. Sa merde. Ah, ça me frustre. Ouais, honnêtement, ouais, non, là c'était une mort de merde. Je comprends pas pourquoi l'arme elle faisait aussi peu de dégâts. Ouais. On va un peu avancer dans ce cycle et après on va s'arrêter. Ou alors on garde ce cycle pour la prochaine fois. Je sais pas, non, j'ai envie de continuer encore un peu. Je veux voir. Comment on peut se débrouiller. Si c'est un bon cycle ou pas. J'aimais bien l'onde de choc là. J'aimais vraiment bien l'onde de choc.
c'est quoi ça? Le nombre de résines nécessaires à l'amélioration de l'intégrité max. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça, ça serait pas mal, ça. En fait, il faudrait qu'on récupère ça en avance. Je crois. Genre, faudrait qu'on récupère ça en premier, je pense. Puis après, on récupère les choses qui augmentent la vie, quoi, les résines qui augmentent la vie. Oh là là! Bon, va te faire mettre le... Je vais m'énerver. Encore un truc. Ouais, le lance-grenade, enfin lance-roquette là, c'est pas... Même il faudrait 500, quoi. 500 jamais je les récupère. Enfin, en tout cas en début quoi. Notre grand la protection en fait c'est vachement important quand même. Automatique. Peut-être qu'en automatique il va devenir vachement bien, mais parce que là je lutte en fait. Ça a l'air d'être un palier pour la maîtrise d'armes, je crois. Attaché ou détaché, les parasites réparent l'intégration. Ouais, si, ça c'est bien. Mais bon. Je voudrais voir si on peut pas vraiment avoir le 500, parce que si on a ça dès le début, honnêtement, ça peut augmenter vraiment beaucoup notre vie. Toujours avoir besoin de deux résines, voilà, deux résines au lieu de trois, ça serait vraiment bien. On va voir. Toi, tu peux aller te faire avoir la boule, tu m'énerves. Pistolet au tir chargé. Créature. Ah, ça va être bien de les toucher. Ça va, elles ont explosé les unes contre les autres. Putain, j'ai cru que c'était une... La vache. Chaque fois, je me prends un jumpscare, en fait. J'ai cru que c'était des boules à récupérer. Ah, la dernière fois, je m'étais fait niquer... Voilà, là, nickel.
Ah, c'est plus pratique avec une... avec des cerfs comme ça. Oh, on a le l'automatique. Ah ben voilà, oui, non, là, oui. Paquet, une traque. La 17. Oui, non, là il devient vachement bien. En plus, c'est nettement plus simple aussi pour recharger. J'ai pas besoin de re-appuyer. Non, oui, non, là il devient bien le lance-roquette. Oui, non, là c'est cool. Là, c'est vraiment cool. En plus, ça augmente la surchauffe, donc j'ai plus de munitions. Une chance d'exploser deux fois, automatique. Ouais, non, là c'est cool. Là c'est bien. C'est quoi les atouts des armes? Enfin, de ceux-là, c'est dégâts supplémentaires, rayon de l'explosion et vitesse de rechargement. Pas mal. Là ça vaut le coup. On est à 423. Je sais pas si je vais y arriver sans... Faut le venger. Ok. Par contre... qu'on est à 500. On n'est pas à 500. Alors, le disperseur avec... avec de la merde. Honnêtement. Ouais, il me faut pas beaucoup. Hein. Ah non! C'est gratuit ou pas? Évidemment que non. Ah, il y a la protection en plus. Ah putain, mais je peux pas y revenir en plus. Ah ouais, non, c'est de la perte. Hein. Ouais. Pas que j'aille là. Si jamais je dois économiser comme ce que je suis en train de faire là pour quelque chose, ne pas aller dans les endroits secrets là. Ouais, non, là c'est con. Là c'est perte totale. Là. On a eu plein de clés par contre pour ce run là.
tire vite. Réduit le taux de maîtrise de 15%, réduit le coût de fabrication de 15%. C'est ça. Ok. Alors, j'ai vu qu'on a, on était à 600, nickel. Ouais, les, certaines armes deviennent vachement intéressantes une fois qu'elles ont certaines améliorations. Merde. Je vais oublier ça. Il y a un truc bleu là. Pas de téléporteur évidemment. Ouais, non, certaines armes sont vraiment bien, genre du début. Après, il y en a qui sont qui deviennent un peu moins bien. Genre, je suis un peu déçu, c'est de la carabine, là. Maintenant qu'il faut rester appuyé pour qu'elle tire très vite. À la limite, faudrait la version 2. Voir un peu la vitesse, si ça vaut le coup. Mais ça, c'est embêtant. Le lance-roquette, il était horrible au début. Maintenant, il devient intéressant. C'est là ou pas, hein ? Je me rappelle plus. Non, c'était avant ça. Là, le lance-roquette devient vraiment top. Il est super rapide, c'est ouf. Je crois que c'est là. Réduit le nombre de résines nécessaires à l'amélioration de l'intégrité max. Et en plus, maintenant, c'est 425 au lieu de 500. C'est pas mal. Voilà, maintenant on peut récupérer toute la vie et tout ça qui traîne. Il y a ça qui m'intéresse, mais réduire la protection, on en a fait un peu les frais. Donc j'ai pas envie de recommencer. Voilà. Là-bas je crois qu'il y avait des choses. Ça c'est attacher ou détacher un parasite répare l'intégration. Bof. Je crois qu'on peut avoir mieux dans le fabricateur. En plus maintenant ça coûte moins cher. Classe. On dirait Sphère. Un film de science-fiction qui se passe sous l'eau. Enfin, pour la majeure partie, on va dire. Ah, il y a une porte là à faire aussi. Générateur cassé. On a une porte à faire, mais d'abord je vais aller récupérer les choses qui traînent, qu'on a laissées de côté. On peut pas détruire. Il faudrait... l'amélioration qui augmente... qui permet de casser les barrières, ça peut être pas mal parce que j'en ai vu pas mal qui traînaient. Ok, niveau max. Très bien. Okay. Ça, non,
Ça, ça change pas en plus, c'est toujours 75. Alors. Là. Très bien. Augmente le coût de fabrication de 50%. Ramasser 100 machins. Ok, ça marche. Abolite. Je vais avoir du mal à prononcer abolite. Hein. Je sais pas pourquoi, mais mon cerveau il veut pas. Il veut pas le garder en tête. Donc je vais dire pièce. Va plus vite. Ou ressources. On va faire la porte là et après on avance. Non merde, c'est trop cool. Ah. On va souffrir. Ça me rappelle Bloodborne. Bah en fait je comprends maintenant pourquoi les gens ils disent Bloodborne. Ouais ouais non on comprend. Enfin faut pas dire Bloodborne, faut dire Lovecraft. Pense les dégâts des armes 5% par niveau d'adrénaline. Très bien. Faut dire tout simplement Lovecraft. On va faire ça. Détache perdu, t'es aléatoire et le recycle. Oh merde. Putain, ça a rien. Pas attendez. J'en sais rien en fait. On a un truc de mêlée que je vais sûrement jamais utiliser. C'est con qu'on puisse pas les changer d'emplacement. Ah, ça c'est vraiment con. On va voir si on peut. Non, on peut pas. Non. Et ça, ils ont vraiment merdé sur ça. Là. Ah ouais, les... Attends, c'est les dégâts ou tuer en mêlée? C'est les animations de mêlée, ok. Prépare l'intégralité, ok, d'accord. Donc si on doit tuer des choses avec des boucliers et tout ça, on devrait activer ça pour réparer notre intégrité. Ça nous aiderait. On verra, si j'y pense. Faire encore une salle, je crois qu'on va s'arrêter. Tiens, c'est la maison. Ah non, la maison, elle est ouverte. Chier. Bon allez, on va finir sur ça. Alien Nation. Ah non, moi c'est PC, c'est clavier souris. Hein. Je garde ça pour plus tard. Je dois jouer en silence. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi cette propagande PS5 là? Non, fais pas ça avec ta main, putain, tu fous de la craie partout. Honnêtement, jouer avec la craie, ça en fout partout, c'est horrible. Il y en a qui peuvent pas genre supporter d'avoir de la craie sur les mains. J'avoue que c'est désagréable. C'est quoi ça? Truc avec une tentacule. Ouais, c'est un octopus. Octo. Attention, ici le capitaine Diverdown. Préparez-vous à l'immersion. À l'immersion?
Billy Boy. Reçu. Dites à l'équipage de finir les préparatifs. Nous avons attendu trop longtemps et la météo change. Il y a une tempête. C'est un ordre. Nous devons quitter cet endroit aussi vite que possible. Je compte sur vous. Bonne chance. Faut dire que Dieu vous garde. C'est très américain. Godspeed. Alors, Color Space, Solar System for Kids. Billy Boy Blue, Penguin, Deep Expanse. L'or. Ah oui, si je peux bouger. Pluto, Astro. Alors, Pluton, c'est une planète ou pas? Lol. Alors. Et c'est quoi? C'est son enfant, du coup, je dirais? Sûrement. Tu es tout le temps détruit. Ouh. Tu es vide. C'est un peu bizarre. Ça va, t'attends? Ah, oh, le gosse, il dessine sur les murs, quoi. Oh mon dieu. Tiens-toi, t'as une rambarde. Oh mon dieu, ça me stresse. Allô, maman? Il y a une femme à la porte. Coucou, mon chéri. C'est célèbre. Je ne rentre pas ce soir. Mais j'ai laissé ton plat préféré dans les profondeurs du réfrigérateur, d'accord? Dans les profondeurs. Tu n'as qu'à le réchauffer pendant 8 minutes et 36 secondes et tout se passera bien. 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 À plus tard. Ouais. Pète un câble. Ah, on la voit pas. Dans les profondeurs du réfrigérateur. C'est pas creepy de dire ça, c'est bien. Un enfant qui a sûrement 6 ans en plus. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous voulez un café? Ouais, c'est vraiment l'astronaute, genre. Il a pas écrit NASA dessus. Genre, ouais, c'est vraiment l'astronaute de base, quoi. Genre, comme ce qu'on voit, en fait, dans les missions qu'on a vues à la télé. C'est pareil, quoi. Genre, le premier homme qui a posé le pied sur la Lune, quoi. Attends, t'as pas pris Ah, sur la boîte de céréales, il y avait un astronaute aussi. Ça va? Putain, tu m'as tout mangé. Alors, monsieur. Une histoire d'aventure du capitaine. Il y a plusieurs siècles. Il y a plusieurs siècles, il rencontra... Notre tout mignon petit papillon bulle, Sa Majesté la Reine Corail double arc-en-ciel. La grande méchante, une méduse en chocolat. Chocolat et. Je cache-cache dans les profondeurs, ils volèrent les richesses engloutées de la sorcière qui s'agrippèrent très fort aux lumières abyssales. Il
ils s'agrippèrent très fort aux lumières abyssales. Fin. T'en penses quoi ? Ça veut rien c'est dire. Cool. C'est de la merde. C'est nul. C'est nul, cool. Gamin. Non, c'est nul. C'est nul. Va falloir que tu lises des livres ou tu regardes des films parce que là, c'est... Siècle méchante. Méduse s'agrippère aux lumières. J'aurais peut-être pas dû prendre cette histoire. Maman, ouvre la... On va où, là ? Pas là. On retourne à la maison... dans la chambre. Bon, on retourne jouer. De toute façon... que ça à faire, parce que la vie, c'est nul. Donc autant retourner jouer aux jeux vidéo. Ça fait penser à autre chose, au moins. C'est quoi ça, honnêtement? Ah, c'est pas le truc qu'on voit sous l'eau? Je suis quasiment sûr que c'est ça. Dans ses visions, elle voit une créature tentacule. Enfin, il y a des tentacules partout, de façon dans le jeu. Mais sous l'eau, elle voit ça, et avec trois points, là. Trois yeux, c'est ça, je crois. Ouais, certain que c'est ça. Helios. Helios. Intéressant. C'est qui laisse les lumières allumées comme ça? Octo. Octo. Le gosse, il a peur. Oh mon dieu, il est là, l'autre. Bonjour. Vous avez pas aimé l'histoire, c'est ça? Regarde, regarde. 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 On peut dire une autre histoire, hein, honnêtement. Non, on peut faire une autre histoire. Faut appeler Sonic. Vous vous rappelez des animés, Sonic va vous causer. Quelqu'un vous touche et que ça vous plaît pas. Là, ça ne va pas. Mon dieu. C'est quoi ça? Voilà, le Takiwalki. Semble créer un lien positif entre l'éther et la protection. Alors attends. J'ai 10 d'éther. Parce que ça, c'est des objets en fait qui doivent faire des choses uniques mais qu'ils expliquent pas en fait. J'ai 10 d'éther, j'ai protection 0%. Donc, tu vois. Protection 10%. Parce que j'ai vu que l'astronaute, au début, on pouvait en acheter un autre quand on avait vu une figurine d'astronaute. Donc là, protection 10%, donc 1 éther égale 1 de protection. Après, je sais pas s'il y a un... s'il y a une limite, mais ok, ça c'est... Par contre, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Est-ce qu'elle est bien, cette arme? On va descendre au coin, là où il y a tous les... la construction et tout ça. On va s'arrêter. Encore une fois, je dépasse les 2 heures. Attends. Ça, c'est... augmente l'intégrité max de 25%. 438. Ça, c'est du soin. Ça permet une attaque de mêlée plus puissante et brise les barrières jaunes. Ah ouais, ça m'intéresse. Ouais, il me faudrait ça pour pouvoir débloquer pas mal de nouveautés.
faudrait ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, on continue la prochaine fois. Là on a un cycle peut-être un peu mieux. Peut-être, je dis peut-être. En espérant qu'on finisse avec beaucoup de vie. Et une arme. L'arme elle est bien, ce serait bien de trouver de nouveau en fait lance-roquettes de plus haut niveau. Comme ça on fait la fête au boss. À la prochaine, ciao.